Oh non. C'est pas moi qui vais le faire aujourd'hui. Eh hey, bonjour les copains, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate parce que nous on est au... T'inquiète. Bon, aujourd'hui c'était une journée plaisir, une journée bonheur sur une mer déchaînée. Je te laisse là. Ah il le fait trop bien, mais ouais, aujourd'hui c'était une belle journée, on a fait du bar, on a fait de la dorade, on était avec Fred, hop, de Cherbourg, et puis le baiser, vous venez de le voir, hop, pendant que je me fais avoir pendant une dorade, je vous laisse regarder tout ça, on se retrouve plus tard. Seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago. La caméra était pas allumée, heureusement qu'elle était pas allumée. Parce que le Bezo est à bord. Parce que vous, depuis le temps que vous me demandez, mais pourquoi on voit plus le Bezo? Eh ben. Voilà. Je sais pas si vous manquez, moi pas. Non, c'est pas vrai, je l'aime mon Bezo. On va démonter un peu la gueule des bars ce matin. Bon, on sait pas si on va faire du poisson, mais regardez-moi ça là. Regardez. C'est bon de se lever à 4 heures. Poisson. Voilà. Et voilà, en direct. Ça, c'est le côté star du monsieur. Le poisson aime la caméra. T'as besoin d'aide ou tu vas y arriver? Oh, ça va, ça n'a pas l'air très gros. Montre-nous ce joli poisson. Ouais. Voilà. Ah, tout petit poisson. Au lever du soleil comme ça, qu'est-ce qu'il est beau. C'est rangé. Hein. Le poisson. Ça sent petit bar. Pour commencer. Non, ça sent petit bar qui ressemble beaucoup à un macro. Bon, il y en a que pour lui ce matin. Bon, pas gros. Par contre, c'est pas gros. Ce serait bien qu'il y ait des poissons un peu plus gros qui viennent, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent la vieille, tiens. Non, non, je suis un pêcheur de bar quand même. Mais. Tain, moi, j'ai raté pendant ce temps-là. Et moi, pendant ce temps-là. Joli bébé, allez au vivier. Parce qu'on ne relâche pas son poisson, ouais, là où on l'a pêché. Il y a pour Fred un beau poisson, je crois. Justement, on était en train de dire oh, pff, on va bouger, ça mord pas. Eh bien, peut-être qu'on va rester. Ou pas. Non, non. Non, non. Putain, qu'il est épuisette. Poisson. Oh non, putain, je suis en bout de canne. C'est bon? Oh là, ouais, tu prends rice. Attends. Il est beau. Le monsieur. Au DigiLine, bah ouais. Ah, je me suis fait avoir. DigiLine Ayou pour monsieur Fred de Cherbourg qui vient découvrir la zone havraise. C'est pas trop mal. Hein? C'est bien. Pour le premier. On va la reprendre, mais tu vas te placer. Et tu sais quoi? Tu vas le faire. T'arrêtes de me donner des ordres. Tu me demandes gentiment. Non, mais t'as pas dit s'il te plaît avant. S'il te plaît. Donc tu me dis s'il te plaît. Tu fais le nez sur les bouées. Ouais, et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Oh non, faut pas se mettre là, machin. Je t'ai dit, je me mets juste à la bouée. Le problème, c'est toi, c'est que t'es un mytho, un truc de mytho. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Il est concentré le Bezo là. Poisson énorme, c'est un beau poisson. Tu veux l'épuiser? Ah, je veux bien. Trop tard. Il y a un dessin. Mmh.
énormément de poissons, mais c'est un beau poisson quand même. Attention à mes boudins. Oui, mais c'est parce que je voulais pas rendre un ton collègue Borgne derrière, tu vois. Ouais, bah je préfère un Borgne qu'un boudin percé. Oh, ils sont une vivacité. Bon, on n'est pas encore dans le... Oula. Centrage. Là, comme ça, vous voyez bien. Ouais, poisson. Putain, au même endroit. Ah ouais. Je me dis, dans la cassure, quand tu pêches de travers, y a pas de danger. Il y en a un qui a le fond et un qui a le poisson. Tu peux quoi prendre ? Bon, comment dire ? Et nous, on fait quoi du poisson ? Bah, il en a fait un beau ce matin, hein. Ouais, c'est parce que tu nous prends les meilleures places, en fait. Bah oui, à chaque coup, il commence devant, et puis après... attends, je peux passer là, puis après il dit... Ouais, mais c'est parce que je lance là, en travers, et que ça mord toujours. Bah ouais. Et nous, on peut pas. Pour ça, on fait pas de poisson. Parce que monsieur a pris la bonne place. Voilà pourquoi ils font pas de poisson, ils font que de causer. Ils pêchent pas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's... Ils sont ratés, ça. Un 7. Ah, tu vois, ils ont un angle de canne qui est merdique. Ah, tu vois, c'est tout droit. Quand même. Quand même. C'est plus joli. C'est plus joli. C'est pas sorti encore. Mais... Oula. Ouh. J'aime bien quand le petit hélicium il chante comme ça. Franchement, je tiens beau. On va mis à l'envers. Il a mis l'heure à l'envers. Je tiens beau, ça fout le stress, ça fout l'adrénaline, ça c'est bon. En fait, il pêche avec une 5-10. Avec une 7-28, Ilysium. Tiens, tu me le mets à bourriche. Regarde, un beau poisson. Yes, papa. Oui, monsieur. Voilà, avec un petit speed slim Ayou. Ah, le monsieur, égoïstement, il fait un poisson devant, il ne le dit même pas. Ah, ça, c'est un macro, ou une vieille. Oh, avec un gros. Ah, si. Un barbe. Tiens, c'est une vieille. Ça se voit, regarde. Moi, je dis que c'est une vieille, ça. Franchement, oh là 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 là. Eh, alors ça, amateur, voilà. Voilà les conneries qu'il faut pas faire, quoi. Deux cannes, des leurres. Regarde, le machin, il a un leurre dans le cul, et un leurre à l'avant. Parce que je pêche avec un Texan. Sortir avec des amateurs comme ça, moi, ça me perturbe. Enfin, on va essayer d'y apprendre à pêcher. Bon, encore une fois, c'est pêche à gratter. Hein. Oh putain, mais lance correctement. Tu fais le pressé pour rien. Eh oui, tous les jours. Voilà, on avait dit à gratter. Et c'est encore sympa. Sympa, sympa. Ça sent beaucoup. Ah, ça, j'aime bien quand ça chante. Ah oui. Ah, je suis émotionné. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va mal finir cette histoire. Oh, il y a longtemps que j'avais entendu chanter comme ça. Oui, il est concentré là. Eh, je vais te dire que tu passes pas une feuille de cigarette entre les fesses là. Là, c'est... Ah, toi, j'ai fait une connerie à prendre quelque chose de trop. Quelque chose d'un peu trop permanent. Oh, j'arrivais pas à me réchauffer là, j'ai trop chaud. Ah. Le petit coup de sonde au bateau. Oh, il maintient fort. Oui, ça doit être un vrai beau poisson. Enfin, pas épuisé, tu vas arriver. C'est un beau poisson, 70.
Oh, il est beau, il est vraiment beau. Yes! Yes, yes, yes. Voilà. Toujours Speed Slim Ayou. C'est la couleur du matin. Ah, là je dis oui. J'ai cassé la petite série de merde là, que je me fais depuis un moment. J'avais pourtant mis le petit t-shirt Monsieur Pêcheur qui va bien, qui devait porter malheur et qui n'a pas porté malheur. Toujours capot, même au macro, mais pas au bar. Et ça, c'est bon. C'est déjà l'eau. Voilà. Retour à ta canne, là. Tu vas pas me gêner à me prendre mon poisson. Hein. Ça, c'est encore bon. Moi, je l'ai préféré comme une andouille que je suis. Bon, c'est n'importe quoi, tout le monde vient me faire chier, tiens, vas-y. Yep. Merci, monsieur. Moi, je serais d'avis pour la replacer si sec. Pas remonte, vas-y, remonte, on va pas faire des grandes dérives, ça sert à rien. Mais regarde, l'heure. Voilà, et je crois qu'il a... Non, il veut pas ouvrir la gueule. Chatouille-le. Speed Slim, are you? Oui, monsieur. Donc vous me demandez parfois pour le fluoro combien je mets. Donc je mets un aller-retour de canne. Donc en gros, ça fait 4 à 5 mètres. Alors pourquoi si long? Un, pour la discrétion, clairement, c'est important. Parce que ça va vous permettre de ne pas avoir la tresse qui fait énormément de vibrations dans l'eau trop près du poisson. Et puis deux, bah là c'est le cas, vous voyez, quand vous passez dans les rochers, il faut toujours vérifier son fluoro. Et là, vous voyez peut-être pas, je m'en rends pas compte. Vous voyez peut-être pas. Mais là, c'est tout éraflé et c'était éraflé à quasiment 80 cm du leurre. Donc bah, quand vous coupez comme ça, forcément ça va vite. Donc en mettant long, bah, on est mieux. Voilà, tout simplement. Et monsieur nous fait un crochet dans le fond. Nous pêchons sur une cassure. Et comme dirait Fred, une cassure, c'est pour casser. Ah, je vous savais. Pensez, j'en ai le cœur haut, on les peut comme à l'eau. Là, c'est pas un bateau. Ouais, je le prends, ouais, je le prends. Alors, dorade, pas dorade? Dorade. Une petite dorade. Petite dorade grise. Ben ouais, on avait marre de faire des gros bars, on s'est dit tiens, on va pêcher à dorade. Mais quel ventard! Ouais, c'était plus drôle quoi, tu vois. Chaque dérive, 2-3 gros bars, moyenne 85,5. Rajoute bien le ennemi. Bon, les petits combos du jour. Encore une fois, mon Ibisium. 7,28 en 2,25 m. Et pour le Ténia, bah, l'Ilysium Ténia tout simplement. Question l'heure du Speed Slim, mais celui qui a vraiment vraiment sorti du lot. Et aujourd'hui c'était un peu la couleur, c'était le Ayou. Voilà, donc sur du 20 ou sur du 30 grammes. C'était un peu le combo du jour. Mais aussi le Digiline, Fred, c'était Digiline tous les bars. Ouais, et Digiline. Voilà, c'était les deux leurres qu'il fallait avoir aujourd'hui. Et voilà, petite release. Allez les pépères, on y va. Ah, des fois, regarde, tu vois qu'elles sont un peu plus comme ça. La tête bien droite. Hop là. Ouais. Ils aiment pas du tout. Joli la release. Joli. Oh, c'est bon, il est. Voilà, il est parti. Et c'est vrai que souvent la tête bien droite. Il est parti.
Ça c'est bon, c'est qu'une partie en plus. Attends, il a dit. Si j'arrive à en attraper un dans ton aquarium. Attends, j'ai vidé toute l'eau là. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec le petit montage fait par monsieur Viltard, monsieur Maxime de chez Viltard pour être exact, avec les petites pompes dans le viguier, ça fait comme ça. Allez. Bon, allez, laisse tomber les autres. On vous montrera ça plus tard. Oh. Et voilà les copains, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous dis ciao ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.